Peter, do you play anything except skiffle? Yes, Spanish and dance. Do you? Well, can you move on? What are you going to do when you leave school? Take up skiffle? No, I want to do, biological research. Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un très gros morceau. On va essayer de voir ensemble pourquoi Jimmy Page sonne comme Jimmy Page. S'il y a bien un groupe qui a marqué les années 70, c'est bien sûr Led Zeppelin, et ça fait partie de ces groupes où il y a vraiment tous les membres qui sont parfaitement à leur place. Chacun complète les qualités et les défauts des autres membres, et c'est vrai que du coup, tout le monde est devenu une légende dans Led Zeppelin, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont préféré dissoudre le groupe après la mort de John Bonham, étant donné que chacun avait un rôle vraiment essentiel. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire du groupe, mais ce qui fait le son de Led Zeppelin, c'est bien sûr les envolées aiguës et sauvages de Robert Plant au chant, les arrangements et les lignes de basse et de clavier de John Paul Jones. Alors lui, il était un petit peu plus en retrait au niveau de la présence scénique, mais il était aussi important que tout le monde, voire plus au niveau des arrangements des morceaux, et on va dire que sa sobriété lui permettait aussi d'avoir des performances un peu plus stables dans le temps que les autres membres qui avaient tendance un peu parfois à abuser de certaines substances. Donc voilà, John Paul Jones, il lissait un peu le truc en fond, c'était pas plus mal. Bien évidemment, on a aussi John Bonham à la batterie qui bien sûr est oufissime et qui a une frappe ultra puissante, mais qui a surtout un placement rythmique qui est super particulier. Il avait l'habitude de jouer vraiment tout au fond du temps, et c'est ça qui participe en grande partie au fait que le son de Led Zeppelin y soit aussi massif. Et bien sûr, celui qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le guitar hero par excellence, Jimmy Page. Page, c'est un peu comme Gilmour, ça fait partie de ces guitaristes légendaires qui ont vraiment participé à la démocratisation de l'instrument, et quand on commence à jouer de la guitare, on a tous au moins entendu une fois le tonton rocker de la famille nous dire « Ouais, Jimmy Page c'est un dieu, reviens me voir quand tu sauras jouer Black Dog. » Alors que comme souvent, jouer Black Dog ou Stairway to Heaven, dans l'absolu, c'est pas si compliqué que ça, c'est-à-dire que si vous vous y mettez, vous allez bien finir par y arriver au bout de quelques mois. Par contre, composer et interpréter Black Dog et Stairway to Heaven à l'époque où ça a été fait, au niveau où le rock en était en fait, et même plus globalement là où en était la musique et la technologie, là c'est vraiment exceptionnel. Là, entre le titre et la phrase que je viens de dire, je vais déjà me faire insulter par la moitié d'entre vous. Bref, c'est parti pour l'analyse de Jimmy Page. On va commencer par essayer de cerner un petit peu son état d'esprit et son éducation musicale pour voir ce qui a pu l'influencer ensuite dans Led Zeppelin, parce qu'évidemment toutes les influences qu'on retrouve dans la musique du groupe, il les a pas inventées, et il le doit en grande partie au fait qu'il a toujours écouté beaucoup de musique et surtout des styles musicaux très variés. Et Jimmy Page, il venait plutôt d'une famille aisée, et ça lui a permis en fait d'avoir une collection d'albums qui était vraiment phénoménale pour l'époque, parce que forcément dans les années 40 et les années 50, l'accès à la culture, il était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, et c'était vachement compliqué en fait d'écouter beaucoup de choses différentes et variées, parce qu'il fallait non seulement avoir de quoi l'écouter à la maison, mais aussi acheter les albums qui étaient assez chers, surtout en vinyle à l'époque. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à la collection de Page que ses amis d'enfance comme par exemple Jeff Beck ou Eric Clapton ont pu découvrir plein d'artistes et plein de styles différents en allant profiter chez lui de sa collection de disques. Et perso, quand j'ai pas le moral, il me suffit juste de regarder Jimmy Page qui écoute Rumble et ça me redonne le sourire. Donc déjà, évidemment, c'est un grand amateur de musique, mais surtout quand il va écouter quelque chose, en fait, il va se poser la question du « comment ça se fait que ça sonne comme ça ?» Pas forcément pour rejouer exactement la même chose, mais plus globalement, juste pour étendre ses connaissances de l'instrument et même de la musique. Parce qu'il débute la guitare jeune, à 12 ans, et qu'il apprend toujours de manière autodidacte, donc il est obligé de puiser son inspiration quelque part. Et c'est le but de ce genre de vidéo quand j'en fais. Parfois, je vois certains rares commentaires qui me disent « oui, mais de toute manière, tu joueras jamais comme un tel, tu ferais mieux de jouer plutôt que de parler, machin », mais en fait, le truc, c'est que les deux sont complémentaires. Je connais aucun bon guitariste ou juste aucun bon musicien qui ait jamais relevé le morceau d'un artiste qu'il aimait ou qui s'est jamais un peu penché sur la manière dont il obtenait un son en particulier, pas forcément pour reproduire exactement la même chose, mais juste pour emmagasiner des connaissances et après pouvoir les réutiliser à notre sauce. Alors comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui jouent de la guitare et qu'on a tous une obsession compulsive pour le matos, on va s'intéresser au matériel que Jimmy Page utilisait. Et déjà niveau guitare, alors évidemment il est complètement associé à la Les Paul, mais il a utilisé beaucoup de guitares différentes tout le long de sa carrière. Par exemple, le solo de Stairway to Heaven, il est enregistré sur une Telecaster et pas sur une Les Paul. Au début, quand il bossait en studio et qu'il jouait aussi pour les Yardbirds, il utilisait vachement une Dan Electro. Mais c'est vrai que le dénominateur commun tout le long de sa carrière, comme je viens de le dire, c'est vraiment la Les Paul. Et il se trouve que mon ami David, qui m'avait prêté la signature David Gilmour à l'époque, m'a prêté une Gibson Custom Jimmy Page. Donc autant vous dire qu'on va se faire plaisir et c'est parti, on va unboxer ça alors.
Voilà la bête, alors avant d'expliquer un peu ce qu'elle a de spécial cette guitare, je suis juste obligé de faire un truc. Alors évidemment, quand on pense à Jimmy Page, on pense à la Gibson Les Paul, et ça, c'est un modèle en fait qui est quand même assez rare, ils en ont fait que 500, je crois, il y a quelques années, qui est en fait une réédition d'une des premières guitares favorites de Jimmy Page, qui s'était fait voler dans un aéroport, et je crois qu'il a fini par la récupérer il n'y a pas si longtemps que ça. Et cette guitare, évidemment, elle a le son typique d'une Les Paul, qui est un son qui est vraiment très gras et très épais, et ça, c'est dû, bien évidemment, au micro double bobinage, donc qui sont ces micros assez gros là, et qui vont vraiment donner un son super épais, comme je viens de le dire. Et si vous avez l'habitude d'en voir, évidemment, vous avez tout de suite repéré qu'il y a 3 micros au lieu de 2. D'habitude, le micro central, là, bah, il n'y en a pas sur les Les Paul. Et ça nous emmène à la première particularité de la guitare, ça va être ce sélecteur 6 positions. Habituellement, là, sur une Les Paul, on n'a que 3 positions possibles, pour 3 combinaisons possibles de micros. Évidemment, on retrouve les combinaisons standards, donc première position on a le micro manche, deuxième position on a manche et chevalet, et troisième position que le micro chevalet. Et en plus de ça, on va avoir 3 autres positions qui vont venir se rajouter, le micro manche et le micro central, les 3 micros en même temps, et enfin le micro chevalet et le micro central. Et au cas où ça suffisait déjà pas de doubler les possibilités de son avec cette guitare, ils ont aussi rajouté un petit push-pull là au niveau de la tonalité du micro chevalet, et ça, ça permet de splitter, alors si je me trompe pas, je suis pas sûr à 100%, mais normalement ça permet de splitter le micro chevalet et de le transformer en micro simple. Donc bon, personnellement, j'aime bien quand les trucs sont un tout petit peu plus simples que ça, et je soupçonne fortement Gibson à l'époque d'avoir rajouté un micro juste pour dire bah voilà, nous on a 3 micros donc c'est mieux, ou pour faire un peu comme les Strat qui est en train de leur voler des parts de marché, mais franchement ça sonne terrible. Et puis voilà, c'est vraiment des guitares qui ont un caractère qui leur est propre, qui ont vraiment forgé le son du rock'n'roll. Et en plus, ceux qui ont l'habitude d'avoir des Gibson savent aussi que c'est des guitares qui sentent ultra bon. Je sais pas si c'est la housse qui a une colle particulière ou si c'est le vernis nitro, mais si vous avez l'occasion, essayez de sentir une Gibson, ça sent juste trop bon. Niveau ampli, c'est assez variable aussi, il a joué sur des Fender, des Marshall, des Vox, mais ce qui revient assez souvent, c'est qu'il affectionne particulièrement, j'ai l'impression, les Supro, et on entend pas mal d'amplis Supro sur les albums de Led Zeppelin, donc c'est un son qui est plutôt à tendance américaine, qui se rapproche un peu des sons Fender, donc avec un son assez riche en bas et en aigu. Et ce qui caractérise aussi son son, c'est que très souvent, bah, il a un son qui est assez sec, il utilise pas tant que ça de reverb, même si après, en post-production, il y a pas mal de morceaux sur lesquels on va rajouter de la reverb, ou sinon il aimait bien aussi enregistrer les reverbs des pièces naturelles, donc pas les reverbs intégrés aux amplis, mais tout simplement voilà le son qui va se dégager d'une pièce quand on va enregistrer. D'ailleurs, sur pas mal de morceaux de Led Zeppelin, ils utilisaient aussi cette technique là pour rajouter de la reverb aux batteries. Donc si vous écoutez des morceaux comme Black Dog par exemple, on a un son qui est vraiment très sec, très peu dilué et très peu camouflé. On a juste soit parfois la saturation naturelle des amplis, soit parfois une tone bender qui est une fuzz qu'il utilisait beaucoup à l'époque et qui est devenue un peu une fuzz classique légendaire maintenant, mais voilà, qui a un son qui distord énormément le son et qui permet surtout d'avoir énormément de sustain quand il va jouer. Donc le sustain, ça va être la durée des notes, les notes vont durer très longtemps. Distortion pedal, which overloads the signal. Et forcément, ce son-là qu'il utilise, c'est un son qui pardonne absolument pas les erreurs, mais qui va aussi laisser en fait apparaître toutes les petites nuances de jeu et toutes les petites imperfections qui vont faire le son qui lui est propre. Après, Jimmy Page, il a jamais eu un son qui était vraiment figé dans le temps, parce que même si on écoute un même album de Led Zeppelin, et ben à l'intérieur de l'album, on va avoir des sons de guitare qui vont être très différents et très variés. Et comme Gilmour ou Jimi Hendrix, il a toujours eu cette approche de producteur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était vraiment à la recherche de sons particuliers, et il voulait vraiment gérer lui la direction artistique du groupe, et c'est pour ça d'ailleurs que tous les derniers albums de Led Zeppelin remasterisés, c'est lui qui a géré le remaster, et c'est vraiment voilà, lui qui a géré les mix et la manière dont ça va sonner. Donc le son Jimmy Page, entre guillemets, ça va être beaucoup plus sa manière d'appréhender la musique, et aussi de phraser les notes qu'il va jouer, les accords et les riffs, plutôt que juste avoir la même guitare ou avoir le même ampli. Il y a des guitaristes qui ont un son et une manière de jouer extrêmement propres. C'est le cas de guitaristes comme par exemple Guthrie Govan ou John Petrucci, et souvent d'autres guitaristes qui shreddent un peu ou dans le métal. Et c'est une esthétique qui bien sûr est tout à fait valable, mais Jimmy Page, il est totalement à l'opposé de ce spectre-là. Quand il joue ses crades,
c'est spontané et c'est sauvage. Pour vous montrer la différence, je vais jouer le riff de Wolota Love de deux manières différentes. D'abord, je vais le jouer scolairement, on va dire, c'est-à-dire que si on l'écrit sur une feuille de papier, ça va être écrit comme ça, et après, je vous le jouerai un peu différemment. Donc, si je le joue de manière sage, ça va être ça. Alors voilà, on reconnaît, il n'y a pas de souci, mais voilà, on sent qu'il manque un truc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de penser au placement de mes doigts, au tempo bien propre qui bouge pas, et en fait, je vais vraiment penser que au riff et essayer de le jouer de la manière la plus viscérale possible, en rajoutant même volontairement des imperfections, c'est-à-dire en y allant vraiment fort à la main droite. Donc je vais choper des cordes que je ne devrais pas choper forcément, je vais avoir le tempo qui va un peu bouger, mais ça va rajouter vraiment énormément de vie au riff. Et là tout de suite c'est beaucoup plus sympa, on a plus de variations, plus de changements dans la dynamique et il se passe vraiment quelque chose. Donc pour le coup, et peut-être que ça va en énerver certains, mais Jimmy Page, on peut pas dire que ça soit un monstre techniquement. Si on le compare à l'époque à des gars comme Jeff Beck, qui ont beaucoup de finesse, ou même Rory Gallagher, qui sont vachement précis quand ils jouent, Jimmy Page, il est pas du tout aussi fort, entre guillemets, que... Et ce qu'il a pas en technique pure, il va complètement le compenser en feeling et juste en instinct de vraiment se plier au groove du morceau avec les autres membres du groupe et juste de jouer exactement ce qu'il faut quand il faut. Donc évidemment, on va retrouver un côté vraiment très brut dans tous les riffs un peu emblématiques du groupe, comme par exemple Immigrant Song ou Wolota Love que j'ai joué juste avant. Et après, comme je disais au début, évidemment, son, il va aussi venir de ses inspirations et de sa manière d'expérimenter musicalement. Par exemple, si on regarde le riff de Cashmere, il le joue pas avec une guitare accordée de manière standard. C'est-à-dire que normalement, les cordes de la guitare, elles sont accordées en mi, la, ré, sol, si, mi, et c'est comme ça qu'on joue. Mais si on change ces notes, on obtient un accordage différent, et forcément toutes les positions vont être modifiées, et on obtient des sonorités qui sont très différentes. Et l'accordage qu'il utilise sur Cashmere, c'est un accordage qui s'appelle dadgad, donc ça veut dire qu'on va avoir ré, la, ré, sol, la, ré. Et il utilisait cet accordage-là parce que ça lui rappelait par exemple le son d'une sitar. Et maintenant, c'est quelque chose qui est devenu assez commun de s'accorder différemment, mais à l'époque, c'était pas forcément quelque chose de très répandu. Donc pour vous montrer, si je m'accorde comme lui sur Cashmere, ça va donner ça. Et si je joue le riff... Et ça, c'est un accordage qu'il utilisait aussi sur des morceaux acoustiques et qui va vraiment lui permettre d'avoir une nouvelle palette sonore qui s'offre à lui. Parce que quand on joue avec des accordages ouverts, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise beaucoup de cordes à vide et forcément, on a un son qui est très différent d'une guitare accordée normalement. On connaît aussi tous les vidéos où il joue avec un archer, donc il était vraiment à la recherche de palettes sonores différentes, et en plus du son, il n'hésitait pas à expérimenter aussi du côté de la métrique et du rythme. La métrique, en gros, c'est le nombre de temps qu'on va avoir dans une mesure, et la manière dont on va ressentir ce tempo. Donc la plupart du temps, dans une mesure, il y a 4 temps. Dans les morceaux qu'on entend à la radio, c'est 4 temps. Mais ce qui se passe si on prend le riff de Cashmere, par exemple, c'est qu'on va avoir une batterie qui va faire un rythme en 4 temps, donc en 4-4, par-dessus, on va avoir un riff de guitare qui va avoir un ressenti en 3 temps, en 3-4. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la polyrythmie. C'est qu'on va avoir deux manières de ressentir le temps différemment qui vont se superposer, et du coup, en additionnant ça, on obtient une troisième manière de ressentir le truc. Et dans Led Zeppelin, quand on parle de placement rythmique, c'est pas juste une question de métrique, c'est juste une question de ressenti global. Par exemple, si on prend Black Dog, c'est sûrement un des morceaux rock les plus incontables qui existent. Il y a de tout mélangé, c'est-à-dire qu'on a des changements de métrique en permanence. Si vous êtes musicien, je vous mets vraiment au défi de compter tout le long du morceau et de tomber bon à chaque fois. Il y a des flottements énormes au niveau du tempo du morceau, et ça c'est voulu, hein, bien évidemment, c'est pas quelque chose qui arrivait accidentellement. Et si vous essayez de compter, par exemple, quand il y a le chant tout seul, pour les reprises, c'est super compliqué de
retomber exactement en même temps qu'eux, et on a même carrément juste des phrases qui sont placées de manière vraiment très étrange rythmiquement. Moi par exemple, il y a un passage qui me fout toujours à l'envers quand j'écoute la version album, c'est le passage où il y a le riff qui module, donc il y a un moment où le riff il passe en mi, et il se répète comme ça, et après on retombe sur le la. Et bah, il y a ce petit passage-là au niveau de la synchronisation où la ligne de basse, de guitare et de batterie, en fait, se désynchronise. Et il y a un espèce de flottement qui est super particulier, qui donne un groove qui est vraiment super intéressant, surtout que tout de suite après, sur le temps d'après, hop, tout le monde retombe pile en même temps. Donc je vous conseille de faire attention à ça la prochaine fois que vous l'écoutez, en tout cas sur la version album, parce que sur la version live, parfois, ils le font pas. Si vous voulez plus d'exemples de ce style-là, je vous mets le lien en description d'une vidéo de Polyphonique où ils étudient vraiment beaucoup de rythmes de batterie de Led Zeppelin en parallèle avec les riffs de guitare et la manière dont ça interagit ensemble, et c'est super intéressant. Et voilà, comme d'habitude, je pense que ça fait déjà trop longtemps que je parle, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'ai à peine la sensation d'avoir effleuré ce que j'aurais pu dire dans l'introduction d'une vidéo sur Jimmy Page. Donc considérez vraiment tout ce que je viens de dire comme des petites pistes à approfondir vraiment si vous vous intéressez un minimum à Led Zeppelin et au son de Jimmy Page. J'en profite aussi pour vous dire que cette vidéo est pas sponsorisée, donc si ça vous intéresse de soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur mon Tipeee, je donne des cours, des vidéos exclusives, ce genre de truc. J'ai aussi sorti un EP que vous pouvez aller écouter en fin d'année dernière, donc rien à voir directement avec Led Zeppelin, c'est un truc qui est plutôt très chill, assez ambiante, avec des guitares assez atmosphériques, tout ça, mais n'hésitez pas à aller jeter une oreille, ça me fera plaisir. Si vous voulez me voir jouer plus que ça, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je poste régulièrement des trucs. Et je vais vous laisser sur une petite impro, je sais pas encore ce que je vais faire, on va voir ce que ça va donner. Et de toute manière, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.